vu les urines du chien, ma bouche est un genre bizarre, bizarre, et ça me donne les nausées, tout est choc. Tu sais quoi? Moi je connais où je pars et je vais trouver la nourriture là-bas. Donc moi j'ai pas de problème de famine. Quand est-ce qu'on nous attendait là-bas? Ma mère m'a toujours dit que quand tu vas quelque part, il faut d'abord manger. Si tu pars dans une fête et qu'on t'a invité, mange d'abord chez toi. Tu peux arriver là-bas qu'il y a le dem. Tu vas chop quoi? On va chop quoi? Tu connais où tu pars? Justement, tu ne connais pas. Moi je connais et je te dis que la nourriture ne manque jamais là-bas. Gars, et même si on ne m'attendait pas, je vais trouver la nourriture. Mais toi, on t'attendait. Est-ce qu'on savait donc que tu vas arriver avec nous? Quand on va voir deux autres personnes, est-ce qu'il y aura une nourriture pour tous les deux autres personnes? Tu sais quoi? Tu me fatigues déjà. Sors donc de l'argent, on achète à manger et puis on mange avant de continuer. Ah, moi, j'ai seulement les idées. Je n'ai pas l'argent. C'est Del Piso qui a l'argent. Quoi? Sors l'argent, tu donnes à ton clown d'amis et puis on achète à manger. On continue. Quel argent? Tu m'as donné l'argent. Depuis où tu as l'argent? Donne l'argent. C'est où? Quand on nous a tous chassés de là-bas, j'ai pris le temps de mettre l'argent là-haut. Ici, il n'y a même pas de poche. Il n'y a pas de poche. Rien. J'ai mis l'argent là-haut. N'aime pas ça. Depuis où tu as l'argent? Quel argent? Tu as caché l'argent. Où? Tu caches l'argent. Je sais où tu caches ton argent. Je cache ça où? À la banque, bien sûr. Je n'ai donc rien ici sur moi. Je n'ai rien. Ok. On ne va pas perdre le temps. Si tu ne sors pas l'argent là, je vais dire à Babadi que... Un jour Babadi saura la vérité, tu ne pourras plus me faire le chantage. C'est la dernière fois ma caroua, une énorme manin. C'est la dernière fois. Je t'ai dit. Voilà. Fuck. Les. Voici moi qui encore aujourd'hui s'est levé. Oui, c'est moi qui pensais que je vivais. Petit, qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Tu m'as vu en train de faire quoi? Hein? Je demande qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu me trouves, je suis placé là. Tu me demandes ce que je suis en train de faire. Toi, tu fais quoi? Tu peux pas passer ta route. Il vient, il s'arrête, petit, qu'est-ce que tu fais là? C'est ton quartier ici. Tu es le chef du quartier. Tu as les lunettes, j'ai les lunettes. Faut pas me menacer, tu ne peux même pas me menacer. Aussi, c'est pas parce que je suis en cabatoi, tu crois que tu es bien habillé. D'abord, c'est toi qui as créé l'habillement. Tu connais ce qu'on appelle le style. Je suis styliste. Tu peux pas me menacer. Quelqu'un ne peut pas sortir sa chose en paix. Hein? Ricky, en tout cas, j'étais à l'œil. Hein? Tu m'as allé, hein? Tu m'as allé. Moi, j'étais aux yeux. Haricot, c'est quoi cette histoire de chantage entre toi et Del Piso que je ne devrais pas savoir? Tu peux savoir. Puisque je te pose la question. Si tu as 5 000, tu me donnes, je t'ai dit. Ce n'est pas bien ce qu'il a fait là. Vraiment. Je viens de te dire que je n'ai pas de l'argent, mais tu me demandes 5 000. Je vais prendre ça où? On renvoie, non? Quand tu auras, je vais te dire. Mais ce qu'il a fait là, ce n'est pas bien. Tu dois connaître, tu dois savoir. Et la vérité, c'est paye. Depuis, on ne veut pas que je te dise, il me donne l'argent. Si toi, tu veux alors que je te dise la vérité, tu me donnes plus d'argent et je te dis la vérité. En tout cas, tôt ou tard, je saurai de quoi est-ce qu'il s'agit. Ok, ça sera alors tard. Et pourquoi l'imbécile là n'a pas sorti l'argent devant nous? Réfléchis un peu avec ta tête. Sa robe n'a pas de poche. D'après toi, il peut cacher ça où? Dans le caleçon. Voilà quelqu'un.
Tiens. Non, garde l'argent. Allons acheter à manger. J'ai pas acheté à manger où? Je dis, hein, j'ai failli me faire agresser trois fois pour pouvoir sortir l'argent si vous c'était caché. Et maintenant, je viens, je te donne, tu dis que tu ne prends pas. Allons ensemble, on va acheter. En plus, tu as même 10 000. Tu avais un gros billet de 10 000. Mais où le problème? Tu as 1000 francs, là, 1000 francs, là, 1000 francs, je garde le reste. Oui, tu crois que je te donne d'abord tout? Oui, allons manger. Et attention, je te demande de faire attention. Pourquoi tu veux bavarder? Ne mets plus jamais les gens derrière moi. Tu as trop de coups foireux avec vous. Attention. Bonsoir. Vous cherchez quelqu'un? C'est Babadi qui nous amène. Ako, au nom maléfique. Donc tu veux dire que tu ne me reconnais plus? Et vous, oh? Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler comme ça. Ako, au nom. Je t'ai toujours appelé comme ça. Je vais toujours t'appeler comme ça. Je ne suis plus le même. Hein. Je vais te taper. Pas les choses que tu me faisais quand j'étais petit. Je t'ai tapé avant et je vais toujours te taper maintenant, même si tu vas en recommencer. C'était la lâcheté. Les coups que tu faisais, tu dosais le gouda à quelqu'un et tu me tirais le zizi et puis tu vas dire que tu me tapais. Tu continues, je te tape. Ariko, dis-lui que j'ai changé, que je ne suis plus le même. Oui, il a changé. Il n'est plus le même. Il met déjà les gros caleçons. Et il se rase avec les tessons de bouteille. Attends, tu étais comment avant? Ouais, Ariko, réponds simplement comme il t'a demandé, non? Et je demande pardon. Il a changé, il n'est plus comme il était avant. Akaton le camp, imbécile. D'ailleurs, madame, je ne suis pas venu te voir. Je suis venu voir ton grand frère Koulbla. Koulbla! Il n'est pas là. Il n'est pas là. Après tout ce que tu lui as fait, tu reviens ici carrément. S'il te trouve là même, tu es mort. Cool Black! Il dit qu'il n'est pas là. Allez, sortez. Je croyais que tu serais déjà marié avec un ministre. Toi, tout le crânage que tu faisais ici au quartier. Toi. Et tu courais ici sans caleçon, avec le caleçon qui allait un côté de la fesse. Toi, tu es qui? Vraiment. Tu es devenu voilà. Quoi? Cool Black! Il n'est pas là. Tu n'es pas responsable de cette il maison. Il n'est pas là. Tes égaux sont déjà en mariage. Sortez. Je ne sors pas. Babadi, donc tout le chamaillement là, c'était pour finir assis. Vous ne bagarrez même pas. Si on bagarrait, tu peux bagarrer avec celle-là. Papa dit, ta sœur-là est belle. Elle est mignonne, elle est magnifique. Ouais. Mais, je suis fini, je suis subjugué. Je vais l'épouser. Mais Pizou, ne commence pas. C'est ma cousine, alors c'est ta cousine. Non, ce n'est pas ma cousine. Est-ce qu'on est frère de même famille? Si on... c'est ta cousine, c'est donc ta cousine avant. Mais nous on ne la connaît pas après. On est là après. Vous êtes mes cousins, non? Non. Moi, je suis plus ton cousin. Vous êtes mes cousins, vrai ou faux? Ouais, je suis pas ton cousin. Attends, d'abord, elle met les lunettes pour garder le charisme. Elle est ma cousine, vrai ou faux? C'est ta cousine de l'autre côté là-bas. Vous êtes mes cousins, vrai ou faux? Moi, je veux dire être ton beau-frère. De toutes les façons, oui. C'est ma cousine. Alors, c'est d'office votre cousine. Non, moi je suis déjà ton beau-frère. Est-ce qu'on est des frères, c'est cousin, direct. Elle est donc ta cousine, Germain. Moi, je suis ton cousin, Firmin. Et si on tire, depuis tout le monde est cousin. Et en plus, quand tu rencontres une fille pour la première fois, lorsqu'on te dit que c'est ta cousine, hein, oh non, tout ce que tu ressens pour elle, non, ça tombe. Ça tombe dès le moment où tu fantasmes ce mensuel, tout tombe. Et depuis que tu ne fais que me dire là que c'est ma cousine, gars, rien ne tombe. Je suis là, gars, par conséquent, après toi avec mon beau-frère. De toutes les façons, hein, tu as intérêt à tomber. Parce que je te dis que tu le veux ou pas, c'est ta cousine. Il en est de même toi. Piso, levez-vous, quittez-vous. C'est de lui dont je vous parlais. Quand j'étais là-bas, c'est lui qui m'a. Levez-vous. Ah. Salut mon cousin chéri.
Va là-bas. C'est quoi avec toi? C'est comment? Déjà, tu me trimbales dans tout le quartier comme si j'étais une prisonnière. Tu arrives encore ici, là, tu me pousses comme si j'étais un animal. C'est quoi? Je dis, tu parles comme ça à qui? Je te rappelle, je suis ton grand frère. Et tant que je serai dans cette maison, mademoiselle, tu vas marcher comme je veux. C'est aujourd'hui que tu reconnais que tu as le droit d'Inès. Quoi? C'est à moi que tu fais la morale, Larry. Je vous ai dit que je venais en enfer. Voici alors l'enfer. 7 jours sur 7, tu es dehors. Je te rappelle, si je passe les nuits dehors, c'est parce que je paie ta scolarité. C'est parce que je paie les factures de cette maison. Si tu veux, tu laisses. Quoi? On n'a plus mangé. C'est pas vrai. Maman, il arrive. C'est notre grand frère que tu t'agresses comme ça. Donc après avoir passé 3 jours chez un gars, tu trouves que c'est normal, on ne doit pas te parler. Tu es qui? Comment tu penses que tu es qui? Tu penses que tu es la mieux placée pour me faire la morale? Moi, si je passe 3 jours chez un homme, toi, tu les balades seulement dans la maison aussi. Je les balade. C'est, est-ce qu'elle te raconte ça? Est-ce qu'elle te raconte ça? Quand elle vient ici avec les hommes, n'importe quoi. Tu peux te camoufler. Tu inventes une histoire. Carrément. Tu fais de la maison des parents un bordel. Que toi, tu es même qui? Tu es qui? Il arrive, la fin, la fin. Il arrive. Tais-toi. Entre là-bas. Vous êtes toujours comme ça. C'est moi votre moins cher dans la maison aussi. Et maintenant, il veut casser la tête. Alors, comme ça, quand je suis pas là, la maison devient un bordel. C'est faux, tout ce qu'elle te dit là, c'est faux. Non, madame arrive, on ne sait même pas d'où elle sort, elle commence à te raconter les histoires. Toi aussi, tu préfères la quoi? Comme ça, tu m'apprends à te connaître. Je vais régler ton problème après. Le machin là fait quoi là? Ah, bonsoir mon cousin chéri, cousin. La femme, ne m'approche pas. Ne m'approche pas. Il est arrivé ici, il a dit qu'il voulait te voir. Et tu l'as laissé entrer? Il a dit qu'il voulait te voir, mon effet, comment? Oui, je veux te voir, je veux te voir. Et pire encore, avec ce guignol. Attends-moi là. Oh, mon cousin chéri. Qui est ton cousin? C'est toi, non? Cool Black, tu ne me reconnais plus. Moi, ton frère? C'est vrai que... Oui, je reconnais. J'ai été maléfique envers toi. Mais nous sommes une famille, tu es de ma famille, nous sommes des frères. Après m'avoir laissé passer 3 années en prison. Je t'ai appelé, ton numéro de téléphone ne passait pas. Toi-même, tu sais que tu n'as pas un numéro pendant une semaine. Comme ça, on change de numéro de téléphone en prison. Ouais. Tu te fous de moi? En fait, je voulais te supporter en disant que ce que tu dis là est vrai. Ce n'est pas la maison qui est un bordel, c'est elle qui est une bordel. Bon, elle a toujours été... Tu oses s'appeler ma soeur bordel? Non, je te supportais seulement, non, grand. Tu es mon frère. Tu me prends pour un con? Non. Et tu oses venir chez moi faire la morale à mes soeurs? Tu traites mes soeurs de bordel? Non, je te supporte seulement. Je ne l'ai pas traité de bordel. Je disais que comme elle transforme la maison en bordel, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Cool Black. Toi seul, tu as détourné plus d'un million. Oui, c'était prévu qu'on devait faire 50-50. Mais je ne sais pas comment toi tu as fait. Cool Black, n'oublie pas, tu restes mon frère. Mon frère, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai péché en pensée et en détournement. Pardonne-moi. Et tu as fui samedi. Et on m'a arrêté à ta place. Et aujourd'hui, tu arrives chez moi et tu m'appelles mon frère. Quand tu me regardes, je le déteste, ton frère. Est-ce que je le sens, ton frère? Ariko, venez me sauver. Est-ce que j'ai la tête de ton frère? C'est vrai qu'on n'a pas la même tête, mais tu es mon frère. Ariko, venez me sauver. Ariko, stop. Ma religion m'interdit de m'attaquer à un moine. Chacun gère son enfer. Ariko, pardon. Ariko, Ariko, ouais. Je ne suis pas ton frère. Mon ange d'amour pour toi, je peux mourir. Je t'adore. Je vais partir avec toi dans mon village. Depuis que je t'ai vu dans ton kaba, hein, je t'aime aussi. Oui, ah bon? Tu m'adores. Oui, tu je t'aime. Je suis touchée.
Delviso. Quoi? Mais tu fais quoi comme ça? Delviso, tu es mort. Tu es mort. Je ne peux plus rien faire pour toi. Tu as traversé la 7e porte. Je remets ton dossier entre les mains de Dieu. Tu es seul et toi seul qui peut te sortir de là. Mais tu n'as qu'à le lâcher. C'est déjà fini. Non, je ne veux pas le lâcher. C'est le lâche, il a tombé par terre. Il est déjà mort, il est déjà mort. Lâche-le, tu as peur de quoi? Le genre qui ne bouge plus là, il a vu ce que tu voulais lui faire, il a eu un AVC. C'est un cadavre que tu portes là. Non, ouais, c'est ce qui bouge. Il est encore là. C'est le dernier réflexe, c'est le dernier réflexe. C'est l'âme qui se libère du corps. Il est déjà en train de partir. Tu as peur de quoi? Non. C'est un moment retardement. J'ai peur de couper le mauvais fil. Je veux pas couper le mauvais fil. Reste alors fort. Reste fort. Papa, dis, on part. On fuit. Tu le laisses tomber. On sort. On court. On traverse au portail. Tu es idiot. Tu crois que vous pouvez courir plus que lui? Avant d'arriver au portail, là, il vous aurait. Il va m'arrêter. Mink! Viens-moi, monsieur. Mick! Le coffre, chérie, de Mamadi! Si je te lâche, tu vas m'épargner, non? Pardon! Pardon! C'est déjà tard! Je vais encore manger, c'est le manioc! Je vous ai bien demandé de ne pas me suivre. Voilà les conséquences maintenant. Assume! Ma chérie! Parle même à ton frère, chérie, non. Dis-lui que je vais encore boire la bouillie. Ne m'appelle pas. Tu m'appelles pourquoi, qui est? Celle-là ne peut pas t'aider. Elle est méchante. Et vous, on ne me parle même pas là-bas. Je vous ai demandé de partir, non. Ça, c'est qui, ça? Maintenant, il faut assumer les conséquences. Et il m'appelle même. Vic! Vic! Le grand frère, chérie, ne m'a pas dit. Le grand frère, chérie, ne m'a pas dit. Si je te laisse, tu vas me laisser, non? Grand Vic, pitié! Mon grand, pitié! Petit! Oui, mon grand! La femme! Tu as des tendances suicidaires? Non, grand! Qu'est-ce que tu essayais de faire? Je voulais simplement séparer la bagarre. Oh non! Petit! Hein? Et c'est comme ça qu'on sépare une bagarre? Non, grand! C'est quand il y a trop de choses dans ma tête. Et ça se bouleverse. Si je te raconte ça, non? Tu vas même me tuer! Et tu as essayé de m'amener dans quel couloir, là, petit? Grand! Je n'ai pas fait exprès. Ce que je faisais là, ce n'est pas mon corps qui veut. C'est mon esprit qui décide. Écoute-moi bien. Petit. Oui, grand. La femme. Tu es un homme mort. Trop tard. Tu n'es pas rapide. Voilà, tu l'as tué. Tu vas encore rentrer en prison. Ça va alors, Kouzo? On l'enterre où? Devant ou derrière? De toutes les façons, ce sont tes amis. Sortez de chez moi.
Grand Kouzo, grand cool black. Je ne t'ai même pas encore dit ce que je suis venu faire. Je n'en ai rien à foutre. Aiko. Aiko. Aiko, il est mort. Non, non. C'est juste un coup difficile. Il a embrouillé. Il va revenir en lui. Je vous ai bien dit que ne me suivez pas. Ne me suivez pas. Aïe, aïe. Oh, oh, oh. Aiko, arrête, portez-le. Aide-moi à porter le cadavre. Sortez de chez moi. Aiko. Aiko, viens me aider. Vous êtes encore là? Ouais, aide-moi à me charger avec lui. Tu as encore deux secondes. Aiko. Dépêche-toi. Arrête. Dépêche-toi. J'ai seulement vu la mort devant moi. Je croyais que le gars s'y avait seulement fini avec moi, mais je me rends compte là que ça va. Ça va. Vous m'avez sauvé, vous êtes mes frères. Gentil à vous. Gentil à vous. Je savais que je pouvais vous faire confiance. C'est quoi? Pourquoi vous regardez comme ça? Ne vous inquiétez pas. J'ai vraiment raté la mort. Mais ce n'était pas si terrible que ça. Le mieux porte fenêtre comment? Hein? Delphizo, on ne comprend pas ce que tu dis. Tu comprends ce qu'il dit? Tu parles de quoi? Maman là-bas? Maman là-bas? Là-bas? Hein? Je dis à Babadi. Regarde ce que ton frère a fait à Delpizo. Il gifle Delpizo, son cerveau tourne. Non, il faut qu'on reparte là-bas. Qu'il le regifle pour que son cerveau revienne. Sinon, tu vas voir mon vrai visage. Il faut qu'on le ramène là-bas. Hein? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu dis, Delpizo. Il faut qu'on te ramène là-bas. Babadi. Il faut qu'on soigne Delpizo. Delpizo parle, on ne comprend pas. Hein. Gars, ce n'est pas bien. Delpizo!